Que se passe-t-il ? Ce Robespierre, il a déclaré cette journée fête de l'être suprême. Un hommage à la vertu de la nation et aux devoirs de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre. Ah, c'est pas de me tromper ! Tu as compris ? Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à la faire. Tu tiens vraiment à me mettre en colère ? Alors que je suis un assassin. Cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan? Pensez comme un temps. Hein? Mais qu'est-ce que... À moins de taper Lazare. Incroyable! Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. À quoi ça rime, tout ça? Vive Robespierre! Mon Dieu, ce que c'est joli! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau. C'est grandiose au point d'en devenir grotesque. On devrait partir. Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, le culte de l'être suprême, si on parvient à le discréditer, s'en sera fait lui. Et quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Bien. Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Thank you.
Je dois trouver des preuves incriminantes. Le futur a jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être suprême. On dirait un journal. À exactement 5 heures du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invitera tous les citoyens, hommes et femmes, à orner sur le champ leur maison des couleurs bien-aimées de la liberté, soit en accrochant leur drapeau, soit en embellissant leur maison de guirlandes, de fleurs et de verdure. Et ses voeux vers le grand est. Sans le moindre intérêt. Il lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. Mais pas lui dont la main immortelle.
elle, en gravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui passe à la sentence de mort des tyrans. Merlin, Talia, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la force. De noms. Une cinquantaine de députés de la Convention, tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant... Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Pour tous, des poignards, des fanatiques. 60, l'athéisme, peuple. Armée tour à tour, des poignards, des fanatismes, des poisons de l'athéisme. Armée tour à tour, des poignards, des fanatismes, des poisons. Armée, tour à tour, des poignards, du fanatisme. Poisson, l'athéisme, peuple. Armée, tour à tour, des poignards, du fanatisme, du poison, de l'athéisme. Il est tout pour disparaître. Arrêtez-moi ce chien! Tu ne t'en tireras pas comme ça, chien! Quoi? Mais où est-il? Je regrette votre zèle, mais monsieur Robespierre ne peut pas faire ça. Merci. Vous ratez des poignards, des poisons. Peuple, ne crains plus leur complot. Peuple. Ne crains plus leur complot sacrilège. Hé, bouge plus, avorton. J'ai un message pour toi. Allez chercher des pierres, on va les lancer. Ne crains plus leur complot sacrilège. Nous ne pouvons plus arrêter le monde. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un démon. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire.
tour à tour des poignards du fanatisme et du poison de l'athéisme, les rois. Il est sans doute jaloux de vos succès. Oui, c'est clairement cela, n'est-ce pas? Est-il dit qu'il serait grand temps que quelqu'un de nous le termine? Soyons graves et discrets dans nos délibérations, comme des hommes qui stipulent les intérêts du monde. Homme, qui que tu sois, envers les bons, compatissant envers les malheureuses, inexorable envers les méchants, juste envers tout le monde. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde du sein de son honteur que le remords de leur propre cœur. Soyons ardents et opiniâtres. Regardez le seul pavané sur le reliquet. Cela devrait faire ses solutions. Action dans les travaux. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir les... Liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Mais infaillible garant de notre indépendance. Le loup est dans la bergerie. Je perds mes moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Thank you.
l'a vu. C'est ma part. Sans les trop. Mais où est-ce que thank you.
sommes peut-être allés trop loin pour discréditer Robespierre. Qu'est-il arrivé? Il a été arrêté. Quoi? Apparemment, il aurait émis des menaces de purge envers vos ennemis de l'État. Le comité s'est retourné contre lui. Ils vont le conduire à la prison du Luxembourg. Son exécution est... Robespierre, le tyran! Je voudrais le voir avant. Paris est plutôt avec la guillotine! Il s'étouffe avec le sang de tant d'enfers! Des hommes de la garde nationale, l'escorte de Robespierre. J'espère qu'on l'a pas perdu. Il est trop tôt pour paniquer. On doit d'abord découvrir ce qui s'est passé. Chef ici. Élise, que s'est-il passé ici? On a été pris dans une embuscade. Des troupes de la commune de Paris nous ont attaqués pour libérer nos prisonniers. Ils ont emmené Robespierre? Je l'ignore. J'ai été retenu par les combats. Ils se sont repliés, par là. Merci. Allez chercher un docteur. Oh. S'il est toujours prisonnier, la garde l'aura conduit à la prison du Luxembourg. Mais s'il ne l'est plus, il doit se terrer tout près d'ici. Robespierre ne pourra pas aller loin si la moitié de la ville est à ses trousses. Je vais inspecter la prison. Toi, suis les émeutes et essaie de trouver une piste. Entendu. Thank you.
et Robespierre. Ils l'ont emmené par là. Sois loué, vous êtes sains et saufs. On est tous derrière vous. Merci, sergent. Votre loyauté vous fait honneur. Mieux vaut rentrer, monsieur. Les soldats de la Convention vont arriver. Oui, bien sûr. Je remets mon sort entre vos mains. Du fait de ces actes visant à protéger le criminel Robespierre, la commune de Paris est désormais en rébellion ouverte contre la nation. Des soldats aux ordres de la Convention nationale ont été dépêchés afin d'appréhender le traître Robespierre et ses partisans. Il est conseillé aux citoyens de demeurer chez eux jusqu'à ce que justice ait été faite. Sachez que le citoyen Robespierre, le citoyen Henriot et tous leurs acolytes sont désormais des hors-la-loi. Tout citoyen qui leur portera assistance. Bon sang, je vais prévenir Germain, voilà des heures. Où est Germain ? Élise ? Nous n'avons plus beaucoup de temps.
Où est Germain? Jamais je ne parlerai. Alors écris. Le temple. J'aurais dû m'en douter. Profitez bien de votre justice révolutionnaire, monsieur. Emparez-vous de lui!